Et Mbalo est un brave ambassadeur du Cameroun. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et Mbalo est un brave ambassadeur du Cameroun. On parle de lui dans le monde. Il a marqué un but. D'ailleurs, ce but, c'est pour le Cameroun, ça honore le Cameroun. Quand Zidane joue pour la France, les Algériens sont contents. Ça, c'est clair. Les gens manquent d'éducation au Cameroun en plein 21e siècle. Le football qui est le fair play, qui est un sport, un loisir. Des gens se lèvent pour aller attaquer la famille d'Mbalo. Cet Mbalo-là serait au Cameroun dans la misère avec sa mère. Vous alliez les aider? Tout ce qui misère là-bas, à Kalaninkoul, à Ebebda, à Mbenga, à Dokula, à Nkolmebi, à Nkolmekan, à Biwombane, à Dokula. Vous êtes allé les aider quand? Point d'interrogation. Pourquoi vous ne les sortez pas de la misère? Point d'interrogation. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Point d'interrogation. Il y a plein d'enfants là-bas, de femmes, de mamans, d'hommes qui souffrent de pathologies chroniques. Ça, c'est clair. Je te dis que... Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. Pourquoi vous n'allez pas les sauver par patriotisme et amour du Cameroun? Votre patriotisme, c'est seulement sur le football pour exprimer le hooliganisme et la passion, la haine. Mais on est où? Merde! On est où là même? On est où? Quelqu'un ne peut plus se débrouiller. Quelqu'un ne doit plus travailler pour gagner sa vie. Vous êtes lavé la haine des cœurs noirs. Oh, la France a fait ceci, la Suisse a fait ceci. Vous avez plus une double nationalité, vous avez la haine. Les Camerounais qui voyagent, qui vivent à l'étranger, vous doivent quoi? Ils vous doivent quoi? Ils gèrent quoi au Cameroun? Ceux qui gèrent le Cameroun, qui pillent, qui détournent, qui vous envoient en prison, qui vous maintiennent dans l'esclavage, vous ne parlez jamais. Vous n'ouvrez jamais vos clapets. Oh, Zogo, oh, ceci. Non, Zogo devait renoncer à la nationalité française où il peut gagner sa vie, nourrir sa famille pour vos bons yeux. Parce que quand on a enlevé Zogo, c'est vous qui nourrissez la famille de Zogo. C'est vous qui nourrissez ma femme et mes enfants. C'est vous qui payez nos factures. Donc, pour vos bons yeux, je dois dire non. Comme j'ai trop peur que les Camerounais me jugent là. Tous ceux qui souffrent là-bas au Cameroun, vous leur avez fait quoi? Et Mbalo, en renonçant de jouer pour la Suisse, quand il misérait au Cameroun, sa mère Aboza a cherché un Moukala. C'est vous qui devez vous occuper de la famille d'Mbalo, de sa mère et de tous ceux qui sont dans la misère là-bas. Pourquoi vous ne sauvez pas tous ceux qui sont dans la misère au Cameroun? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Regardez la misère qui règne au Cameroun. Regardez la misère qui règne dans nos villages au Cameroun. Vous avez la haine contre tout le monde. C'est à cause de la Suisse, de la France et de ceux qui ont acquis d'autres nationalités que vous misérez. Qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun, qu'il n'y a pas la lumière au Cameroun, qu'il n'y a pas la sécurité sociale, que les femmes vont mourir devant les hôpitaux parce qu'elles veulent donner la vie, que Eneo coupe l'électricité chaque jour, que vous buvez une eau infectée. C'est à cause d'eux. Vous devriez avoir honte en plein 21e siècle. Et je me demande, où est le gouvernement camerounais pour tolérer ce genre d'agissement? Aller perturber la tranquillité d'une famille qui n'a rien demandé. Et Mbalo fait son job. Oui. Mbalo fait son job, il est suisse, il joue pour son pays qu'il a adopté. Alors pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne sortez pas pour aller manifester par rapport au prix du timbre qui est passé de 1000 francs à 1500? Pourquoi vous ne sortez pas pour aller manifester contre les coupures d'Eneo et d'aller menacer Eneo? Pourquoi vous ne sortez pas pour aller manifester et menacer la société de distribution des eaux pour dire qu'il n'y a pas d'eau potable au Cameroun? Pourquoi vous ne sortez pas pour aller réclamer la sécurité sociale? Qu'au Cameroun, il faut qu'on aide les pauvres, qu'il y ait les droits au chômage, les allocations familiales, que les gens puissent se soigner. Pourquoi vous ne sortez pas pour aller réclamer la gratuité de la maternité au Cameroun? Pourquoi vous ne sortez pas pour réclamer la transparence et l'arrestation de tous ceux qui ont pillé les fonds Covid? Pourquoi vous ne sortez pas pour dénoncer les pilleurs, les détourneurs des fonds publics? Pourquoi vous ne sortez pas pour dénoncer la magouille, le faux, la fraude, la corruption? Ce matin, on m'appelait encore pour me dire que une place à l'ENAM, cycle A, coûte 15 millions, cycle B, 10 millions. Pourquoi vous ne sortez pas pour aller contester cet état de fait, cette incurie, cette corruption qui règne dans votre pays? Regarde-moi ces poltrons. Pourquoi vous ne sortez pas pour aller menacer les Amazoniens, prendre les armes pour défendre l'intégrité territoriale du Cameroun dans le Nozo? Voilà les Amazoniens, c'est devant le domicile du jeune footballeur Mbalo. Oui, c'est au domicile du footballeur Mbalo et de sa grand-mère que vous sortez pour aller menacer. Alors, allez affronter les Amazoniens, tous ces crétins qui sont partout éparpillés au Cameroun, qui n'ont rien fait de leur vie, qui ont échoué. Ce qu'on appelle de manière, dans le jargon et de manière argonique, les rateurateux. Oui, ces fainéants qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont ni femme, ni enfant, ni travail, ni métier, ni formation, ni éducation, ni instruction, ils n'ont rien. Mais ils se bombent le torse derrière des Camerounais. Dès qu'ils entendent le football, ils sont prêts à tuer, à massacrer quelqu'un. Alors dites-moi, la Chine, quand la Chine parle, le monde tremble. Voilà la Russie de Poutine. Elle n'est même pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Le Cameroun a gagné combien de Coupes d'Afrique? Le Cameroun a participé à combien de Coupes du Monde? Où sont les retombées de ça? Où sont les retombées? Des gens qui ont joué la Coupe du Monde sont morts presque pauvres. Allez voir Mbilarantes. Allez voir Mfédé, lui Paul, les Massing, Benjamin qui sont morts. Ils ont joué une Coupe du Monde. Ils ont conduit le Cameroun au quart de finale. Alors, si le football était un facteur de libération, de progrès, pourquoi ceux-là sont morts pauvres? Où sont les retombées des 3 ou 4 participations ou 5 participations du Cameroun aux Coupes du Monde? Où sont les retombées? Nous avons combien d'étoiles écrivées là? On a gagné des Coupes d'Afrique. Où sont les retombées? Où est l'eau au Cameroun? Où est l'électricité? Où est la santé? Où est la sécurité sociale? Là où vous devez parler, vous ne parlez pas. Regardez des poltrons, des paresseux. Vous vous levez pour aller attaquer Mbalo, le footballeur, parce qu'il a fait son travail. Oui, quand c'était Mbalo traîné au Cameroun, il était dans la misère. Aucun Camerounais n'est venu l'aider. C'est un vieux Moukala qui a épousé sa mère, qui lui a donné la nationalité suisse. Voilà plein de Camerounais qui sont là-bas, qui tiennent dans les villages, qui jouent au foot, qui misère. Pourquoi vous n'allez pas les sauver? Vous voyez tous ces crétins qui écument les réseaux sociaux, qui disent, je l'ai dit que, je l'ai montré, je l'ai vu.
Mais ils charcutent la langue française, ils n'ont aucune culture, aucune éducation, aucune instruction. Mais ce sont eux qui se permettent de jouer les bien-pensants. L'heure est au patriotisme, au soutien de nos lions indomptables. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des choses à faire observer. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit dans un post que j'ai publié sur ma page hier, le vrai patriote est celui qui ne tire pas sur son armée ou sur sa patrie alors qu'elle est en guerre. Je considère que le Cameroun actuellement est en guerre à travers cette Coupe du Monde et un vrai patriote ne saurait tirer sur sa patrie alors que la patrie est sur un champ de bataille. C'est pour ça que je m'abstiens de faire tout commentaire susceptible de déstabiliser, de nuire à l'image des lions indomptables du Cameroun. Mais aujourd'hui, bien évidemment, je suis obligé de sortir de ma petite réserve, de ma diète médiatique que je me suis imposée jusqu'à la fin de la Coupe du Monde pour dire ceci. Ça suffit. À vous ces quartiers-arts, à vous ces obscurantistes, n'est-ce pas, tapis dans l'ombre des réseaux sociaux et dans des bas-fonds un peu partout au Cameroun, je n'insulte personne, il est temps de laisser notre, disons, je ne vais pas l'appeler compatriote, de laisser M. Embolo, le footballeur international, tranquille. Je vais m'adresser à vous aujourd'hui. Vous allez donc partager ce direct, parce que là j'ai fini le travail, voilà, il est 16h, j'ai commencé à 7h et je suis en train de rentrer chez moi. Alors avant de rentrer chez moi, je ne pouvais ne pas rompre le silence parce que la situation qui prévaut est tout simplement déshonorante pour le Cameroun. Je ne pouvais pas imaginer que, de ma modeste existence, que un pays, dans un pays comme le Cameroun, des gens puissent encore avoir des réflexes aussi moyenâgeux, des réflexes aussi obscurantistes, des réflexes aussi caverneux, des réflexes tout simplement dignes de l'homme du Néandertal. Alors, nous qui sommes des lanceurs d'alerte, nous ne pouvons pas vous laisser continuer dans cette imbécilisation de notre société. Nous ne pouvons pas vous laisser continuer à ternir l'image de notre pays. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas vous laisser dans la bêtise, parce que ceux qui nous regardent de loin diront que tous les Camerounais sont comme vous. Ceux qui nous suivent de loin diront que les Camerounais, c'est un peuple d'imbéciles, d'abrutis, et c'est un peuple de sauvageons. Non. Le taux d'alphabétisation au Cameroun culmine à plus de 80%. Alors, on ne va pas laisser une petite poignée de quartiers-arts, de rigolos, de clowns, de villageois, n'ayant aucun confort, n'ayant fait aucune étude, n'ayant aucune éducation même, parce que c'est une question d'éducation de base. N'est-ce pas? Rabaisser le Cameroun autant, et c'est à vous que je m'adresse et qu'on vous envoie ce direct. Alors, j'ai suivi beaucoup de réactions à la suite de la défaite de nos Lions Indomptables face à l'équipe nationale suisse, notamment avec le but marqué par notre compatriote d'origine, M. Embolo. Il y a donc une poignée de mécréants, d'inconscients et d'abrutis qui a investi le domicile de M. Embolo, ce footballeur suisse international d'origine camerounaise, pour aller lui faire la peau, pour menacer sa famille. Je dis, monde entier, vous qui nous suivez, je m'appelle Junior Zogo. Je suis Camerounais d'origine et j'ai acquis la nationalité française. Mon épouse, mes enfants et moi, nous sommes français, pas pour frimer, mais pour le réaffirmer de manière forte. Alors, je vais vous dire une chose. Lorsque des gens allaient à l'école, vous n'y êtes pas allé, vous étiez en train de faire des bêtises, le banditisme, le voyoutisme et tout ce que vous pouvez imaginer comme dérive. L'éducation de base, elle a été ratée par vos parents. Alors, vous êtes là, vous étouffez de rage, de rancune et d'aigreur. Oui, vous êtes rongé par la rancune, l'aigreur, la haine, l'animosité. Vous cherchez des faux fuyants et des prétextes pour essuyer votre haine, votre aigreur, votre jalousie. Alors, vous donnez des leçons à tout le monde. Vous vous faites passer pour des bien-pensants. Pourtant, dans vos propres vies, vous n'avez ni éducation de base, ni instruction, et vous, aucune réussite. Vous ne faites rien. Vous êtes en réalité des paresseux, des mythos, des déréglés mentaux, des dégénérés mentaux, tapis dans l'ombre des réseaux sociaux, en train de déverser des bêtises et de la haine à longueur de journée, et par là même, en train de déshonorer le Cameroun. Et il faut vous parler en vous regardant droit dans les yeux. Parce que si nous ne vous parlons pas, qui d'autre va vous parler? Vous imaginez en plein 21e siècle, le football qui est considéré comme un loisir, un jeu, un sport, devient un objet de haine qui catalyse la violence, qui cristallise la haine, l'aigreur. Je ne pouvais pas imaginer que des Camerounais puissent se lever en plein 21e siècle, partagez-moi ce direct pour qu'il arrive vers tous ces obscurantistes, ces quartiers-arts, comme on les appelait à l'époque, des quartiers-arts. Vous savez ce qu'on appelle un quartiers-arts? C'est quelqu'un qui n'a aucune éducation, c'est quelqu'un qui n'a aucune instruction, c'est quelqu'un qui est un homme animal à la limite. Donc, je ne savais pas que le Cameroun, en dehors des problématiques d'ordre social, économique et financier, que les Camerounais avaient encore un problème d'éducation et de mentalité. Oui, alors dites-moi, cette plèbe qui s'est levée, ces quartiers sans éducation, ces bandits recyclés en amoureux du Cameroun, vous aimez le Cameroun plus que qui? Qui vous a même dit que vous aimez le Cameroun? Est-ce qu'on aime le Cameroun en étant un fainéant, un paresseux, qui ne fait rien, qui n'a pas de métier, qui ne travaille pas, qui est incapable de nourrir sa famille, de se prendre en charge? Est-ce qu'on aime le Cameroun étant un mendiant? Est-ce qu'on aime le Cameroun en débitant des bêtises, en parlant un français approximatif? Et certains me diront que non, le français n'est pas la langue du Cameroun. Ce sont ceux qui se permettent de jouer, n'est-ce pas, les gardiens du patriotisme. Est-ce que vous savez ce que le mot patriote veut dire? Est-on patriote étant un voleur, étant un bandit, étant un escroc, étant une vendeuse ou un vendeur d'équipements? Est-on un patriote ou une patriote, aime-t-on son patrie, étant un paresseux, faisant
le deux doigts à l'avenue Kennedy, étant sur les réseaux sociaux, en train d'arnaquer, de voler, de ternir et de rabaisser l'image du Cameroun. Qui vous a même dit que vous aimez le Cameroun? Vous aimez le Cameroun plus que qui? Les gens ne sont-ils pas libres de faire ce qu'ils veulent? Voilà le Cameroun. Là où vous devez parler, vous ne parlez pas. Regardez, qui vous a dit que le football développe un pays? Mais cette passion, c'est vraiment le pion du peuple, le football. Moi, j'ai dit, je ne me prononce pas pour le moment sur la prestation des Lions indomptables. J'en parlerai, soit quand les Lions seront éliminés, ce qui n'est pas mon souhait, soit quand les Lions gagneront la Coupe du Monde comme ça a été promis. Alors, nous avons beaucoup de choses à dire, nous souhaitons bonne chance à nos Lions indomptables. Et si par malheur, les Lions indomptables sont éliminés, avant ou tout au moins au premier tour, alors là, ça va déménager. Nous allons parler sans haine, sans rancune, pour dire des vérités. Je reviens donc sur, pourquoi vous n'allez pas les menacer? Alors, vous vous servez des faux fuyants, des prétextes pour essuyer votre haine, votre rancune, votre aigreur. Parce que vous avez échoué dans vos vies. Vous n'avez rien fait. Vous n'étiez pas à l'école. Vous n'avez pas l'éducation de base. Vos vies familiales sont un échec. Vos vies professionnelles sont un échec. Et vous vous servez du football comme exutoire, comme défouloir. Vous mentez. Ça ne va pas passer. Je vous demande d'arrêter ça tout de suite. Voilà le Cameroun. Les Amazoniens sèment la terreur. Les Amazoniens sèment la terreur dans le Nozo. Ils décapitent des gens, ils occupent le territoire, ils font le terrorisme. Pourquoi vous, ces quartiers-arts, ces paresseux, vous, ces ratératés, vous n'allez pas dans le Nozo prendre les armes par amour pour le Cameroun, pour défendre l'intégrité territoriale du Cameroun? Regarde-moi des voyous, regarde des gens à l'éducation ratée, à l'instruction ratée, à la vie familiale ratée, à la vie professionnelle ratée, qui se permettent de venir ternir et salir l'image du Cameroun, là où on devrait se taire. Vous imaginez, n'est-ce pas? Le message que vous envoyez au monde, en plein 21e siècle, une bande, n'est-ce pas, d'obscurantistes et de chrétiens qui se lèvent pour aller lancer une fatwa contre quelqu'un qui se bat, qui cherche sa vie. Vous êtes là, vous aimez tout le Cameroun. Pourquoi vous n'allez pas dans le Nozo? Prenez les armes, allez dans le Nozo, combattez les Amazoniens. Allez dans le Nozo, combattez les Amazoniens qui sèment la terreur. C'est devant le domicile, n'est-ce pas, de Mbolo et de sa grand-mère, devant une grand-mère et devant une maman, que vous allez venir démontrer votre patriotisme. Vous devrez avoir honte. Vous devez avoir honte de ce genre de comportement. Le Cameroun est un pays réputé dans le monde comme ayant des gens instruits, des gens de valeur, des gens de qualité. On ne va pas laisser le Cameroun à la solde des raclus, des ramassis. Oui, et des poubelles à la limite. Qui sont des bandits recyclés en patriotes à travers le football. Des agresseurs, des braqueurs. Qui sont devenus de manière soudaine et subite des fervents supporters des Lions indomptables et des patriotes. Des voleurs, des escrocs, des bandits. Qui écument les quartiers, les rues partout. Ils sont à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Leur propre vie sont un échec, leurs propres vies sont un déshonneur. Des vendeuses, des vendeurs de piments, des raterates, des gens sans éducation, sans instruction. Dès que vous apprenez que quelqu'un a eu telle nationalité, boum, vous sortez, vous distillez la haine. Vous êtes sûr que si on vous donne la nationalité suisse et française, vous allez refuser? Oh, on aime le Cameroun. Tout, c'est la faute des autres. Regardez, je suis là, au Cameroun, on m'a frappé. Je suis parti. La France m'a donné une deuxième chance. Je devais renoncer à vivre en France, à travailler pour nourrir ma famille. Et en renonçant, est-ce que c'est vous qui devez nourrir ma famille? Même mon fils du Cameroun officiel, on ne doit pas tolérer ce genre de choses-là. C'est pas possible. Regardez le Cameroun. Vous parlez, oh le Cameroun, mais quel est ce pays dit modeste? Vous avez vu le Brésil jouer hier? Oui, il faut avoir des ambitions. Mais là, ce sont démesurés. Les gens, des ratérateurs sont sur Facebook, dans des bas-fonds, ils parlent à tout le monde, ils accostent tout le monde, ils insultent tout le monde, ils sont là, ils font le pickpocket, ils font la prostitution, ils n'ont même pas fait la cile, ils n'ont aucun diplôme, aucune éducation, aucune instruction, ils n'ont aucun métier, ils n'ont rien appris de leur vie. Ils s'érigent en patriotes. Leur patriotisme se résume dans le football. Ce qu'on appelle le hooliganisme et le fanatisme. Ils veulent nous amener le hooliganisme au Cameroun, le fanatisme, oui. Le football a déjà sauvé quelle nation? La Chine a quelle équipe de football? La Russie de Poutine, tant Poutine parle, la Russie n'est pas la Coupe du Monde. Qui peut parler devant la Russie? Le Brésil a tellement gagné des Coupes du Monde, a une meilleure équipe. Alors, allez voir les favelas qu'il y a au Brésil, la misère qu'il y a au Brésil. Arrêtez-nous les bêtises là. On ne va pas vous laisser comme ça. Nous qui avons quand même une once de lucidité. Je vous dis, arrêtez ça tout de suite. Regardez des poltrons, des lâches comme ça. Vous allez vous attaquer à une grand-mère. Vous exprimez votre aigreur, votre haine sur Mbolo parce qu'il a réussi. Ce n'est même pas parce que vous aimez le Cameroun, non. Vous aimez le Cameroun en quoi? Si vous aimez le Cameroun, arrêtez le faux, arrêtez la fraude, arrêtez de changer vos âges. On saura que vous êtes seulement des patriotes, des amoureux du Cameroun, en exprimant la jalousie, la haine et l'aigreur. Et les autorités laissent des farfelus, des bandits, recycler un patriote, aller perturber la tranquillité de la famille Mbolo au Cameroun. Non, ça doit cesser tout ça. Ça doit cesser. On ne doit plus continuer à tolérer ce genre de choses-là. Au lieu de se battre pour des vraies causes, les farfelus, les bandits, les raclus se recyclent en patriotes pour aller agresser des citoyens qui mangent à la sueur de leur front. Vous avez fait quoi pour les Camerounais? Vous qui parlez là, vous êtes des patriotes en volant, en braquant, en tuant, en escroquant, en étant des gigolos. C'est ça que vous appelez le patriotisme et que vous aimez le Cameroun? Et le patriotisme s'observe seulement via le foot? Mais ça ne va pas là. Avec tout le respect que je dois au peuple camerounais, le patriotisme s'observe seulement dans le foot. Voilà les prix des denrées, les prix des denrées de première nécessité. Pourquoi vous ne manifestez pas que non, la vie est trop chère au Cameroun? Voilà les visas qui sont en train de passer du simple doux pour entrer au Cameroun. On ne vous entend pas. Regardez la misère sociale au Cameroun, pas de sécurité sociale, rien. Pas
pas de logements sociaux. Les femmes meurent encore en plein 21e siècle parce qu'elles veulent donner la vie au Cameroun. Et on ne peut pas se battre pour qu'il y ait la gratuité de la maternité. Et vous allez voir ces rigolos, ces clowns, partout sur les réseaux sociaux. Oh, le foot le matin, oh, le foot à midi, oh, le foot le soir. Ils embêtent les gens. Mais c'est quoi ce hooliganisme? C'est quoi cet obscurantisme-là? Vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des jaloux, des aigris. Vous avez la haine contre Mbolo parce qu'il a pu s'en sortir, il joue au foot, il a sorti sa petite famille de la misère. Allez aussi vous battre. Oui. Oh, Mbolo fait ceci. Pourquoi vous n'allez pas dans le nozo? Vous avez vu en Ukraine, non? En Ukraine, des sportifs de haut niveau ont pris les armes pour aller défendre leur pays. Ils ont abandonné leur confort, leur luxe. Vous aimez tant le Cameroun? Allez dans le nozo. Ne venez pas fanfaronner devant la grand-mère d'Mbolo, une vieille femme. Allez dans le nozo affronter nos petits. Des ambazoniens, ils sont là-bas, ils sèment la terreur. Ils veulent diviser le Cameroun. On a besoin des patriotes, des amoureux. Je ne parle pas des patriotes de la diaspora. Hein. Je parle, n'est-ce pas, de cette petite bande de ces raclus sur les réseaux sociaux qui sont en tabac, qui sont à l'avenue Kennedy, qui se sont recyclés en patriotes via le football et veulent livrer des espèces de vendetta contre des nobles citoyens qui ne leur ont rien demandé. Là où vous devez parler, vous ne parlez pas. Regardez l'état du pays. On vous fait le hop-aïe pour que quelqu'un entre à l'ENAM. L'ENAM, l'École nationale d'administration, on lui demande 15 millions. Ils mettent leurs enfants, ils payent. Vous ne bronchez pas. C'est sur des futilités, c'est sur des bêtises que vous venez démonter votre patriotisme. Vous devez avoir honte. Et ce Cameroun va changer. On ne va pas laisser le Cameroun basculer dans les mains des obscurantistes, des mendiants, des vauriens qui n'ont rien fait de leur vie, qui utilisent les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi, pour attaquer des gens qui se battent et qui mangent à la sueur de leur front. Je vous parle en vous regardant. Arrêtez-moi cette bêtise. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée des imposteurs, des mythomanes, des bandits, des braqueurs, des voyous recyclés en patriotes via le football. Le Cameroun mérite mieux. Le Cameroun mérite mieux. Vous vous prenez pour qui même? Vous aimez le Cameroun plus que qui? Si vous aimez le Cameroun, arrêtez la fraude, arrêtez le faux, arrêtez tout ce que vous faites. Prenez les armes, allez aider votre armée dans le nozo. Oui, la défense du Cameroun repose sur quoi? La stratégie de défense du Cameroun repose sur la défense nationale. Chaque citoyen peut aller défendre l'intégrité du territoire attaqué. Vous devez avoir honte d'aller vous placer devant le domicile d'une grand-mère parce que son petit-fils qui allait chercher la vie en train de jouer. Et Mbolo marquant le but, il a empêché à vos joueurs d'égaliser. Il a empêché à vos joueurs d'égaliser de marquer. Ils n'ont pas deux pieds comme lui. Vous êtes là, le culte de la médiocrité c'est vous, le vice c'est vous, la dérive c'est vous, mais c'est encore vous qui donnez les leçons aux gens. Quelqu'un là, il n'a ni femme, ni enfant, ni travail, ni métier, ni éducation, ni instruction, ni rien. Il est zéro, rate. Mais il se riche en bien pensant, en grand patriote, en oligarque du football. Il insulte tout le monde sur Facebook, il menace des gens partout à cause du foot. Le foot a déjà développé quel pays? Le Brésil serait la première puissance du monde. La Chine, quand la Chine parle, qui peut se tenir là au Cameroun? La Chine n'est même pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Qui peut parler devant les Chinois? Voilà Vladimir Poutine, la Russie. Qui peut parler devant la Russie? L'Amérique même est dans cette Coupe du Monde. Des petits pays gagnent l'Amérique. Qui peut parler devant l'Amérique? La grande Amérique. Restez là, au lieu d'aller à l'école, pour sortir le Cameroun de l'ornière, d'apprendre des disciplines phares comme la pétrochimie, de développer le Cameroun, vous êtes dans la bêtise, la fainéantise. Oui, le football le matin, le football à midi, le football le soir, le football le lendemain, et toi fais ceci, Choupo Moting a fait ceci, Ngabe a fait ceci. Là où vous devez parler, vous ne parlez pas. Voilà les NAM, les grandes écoles au Cameroun. Pour qu'un enfant y entre, il faut payer 15 millions, 10 millions. Vous fermez vos clapets. Vous fermez vos clapets, vous ne parlez pas. Oui, c'est le faux partout. Un pays de la magouille, on ne peut rien obtenir. Rien. Tant qu'on n'a pas versé des pots de vin. Mais vous êtes là, vous ne parlez pas. Vous allez vous attaquer à des innocents. Votre patriotisme, c'est sur des gens qui se battent et qui ont réussi à la sueur de leur front. Vous détestez tout. Dès que vous entendez que quelqu'un a acquis la nationalité française, américaine, étrangère, vous venez avec votre frustration, votre jalousie et votre aigreur. Vous commencez à dire oui, tu es un traître, tu as trahi le Cameroun. Vous qui aimez le Cameroun, vous avez fait quoi pour le Cameroun? Vous aimez le Cameroun en changeant vos actes de naissance, en charcutant vos âges, en changeant de nom, en refusant de payer vos impôts, en faisant toutes sortes de trafics, en braquant, en volant, en faisant le tcha-tcha, la prostitution et toutes les dérives que vous imaginez. C'est ça que vous appelez aimer le Cameroun et patriote? Mais vous me faites rire. Vous me faites rire. Je me rends compte qu'il faut encore éduquer ce peuple. Il faut nous éduquer. Bienvenue sur Mira 59 Exotique, votre magasin de vente et des meilleurs produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que les bobolos, les macabos, les ignames, la banane plantain, les poissons, les meilleures huiles de palme, sans oublier toutes les meilleures boissons de l'Afrique et du Cameroun. Chez Mira 59, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Dans le même cadre, Mira 59 a aussi mis à votre disposition un café-restaurant chic et magnifique dont il vous offre toutes les meilleures mets à consommer sur place ou à emporter, sans oublier le spécial week-end taro. Vivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde Qatar 2022 chez Mira 59 en consommant vos boissons en formule de 3 bières à 10 euros seulement. Mira 59 est situé au 61 avenue de la Liberté, est le 1931 Luxembourg, à 150 mètres de la gare centrale. Téléphone et WhatsApp 00352 661 03 48 et 00 ou encore le 00352 661 03 54 et 85. Mira Exotique et Cosmétique, la référence luxembourgeoise. Non, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun, fichez la paix aux gens, fichez la paix à Mbolo.
allez défricher les champs. Si la vie vous a dépassé, moi j'ai défriché les champs, j'ai creusé le sable à Ibadan. Si la vie vous a dépassé, allez travailler. Quittez les réseaux sociaux avec la haine, l'obscurantisme, l'aigreur et la jalousie sous le couvert de l'amour du Cameroun. On n'aime pas le Cameroun sans avoir un métier. On n'aime pas le Cameroun sans être éduqué. On n'aime pas le Cameroun sans être instruit. On n'aime pas le Cameroun étant un paresseux. On n'aime pas le Cameroun étant un braqueur. On n'aime pas le Cameroun étant un agresseur. On n'aime pas le Cameroun étant un violeur. On n'aime pas le Cameroun étant tout simplement une crapule. On aime le Cameroun en s'illustrant par un comportement digne et honorable. Et un vrai Camerounais doit avoir un métier. Un vrai Camerounais doit être en capacité de nourrir sa famille sans aller mendier, sans voler, sans braquer. Un vrai Camerounais ne doit pas être un escroc, un fémane, un vendeur de piments et tout. Je ne condamne pas ceux qui le font. Et lorsqu'on fait ce genre de choses, on s'abstient de venir donner des leçons à ceux qui mangent à la sueur de leur front. Oui, voilà des Camerounais qui prennent la mer, l'océan. Vous avez fait quoi pour eux? Et si demain quelqu'un leur propose d'avoir une nationalité pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, ils doivent refuser pour vos beaux yeux. Ils doivent refuser pour vos beaux yeux. Parce que c'est vous qui les nourrissez, c'est vous qui payez leurs factures. Quand on vole, on pille le Cameroun, là, vous ne parlez pas. Les fonds Covid, on ne vous voit pas aller manifester. Un audit a été fait, des gens ont été épinglés, on ne vous voit pas. Les fonds de la Coupe d'Afrique ont été détournés. Vous rasez les murs, vous vous cachez. Mais c'est sur la grande mer d'Embolo et la mer d'Embolo que vous venez sortir votre patriotisme de vos gros muscles. On vous attend dans le nozo, les ambazoniens. Allez prêter main forte à l'armée, allez prêter main forte à nos militaires et soldats. Ce n'est pas devant le domicile de la grande mer d'Embolo et de la mer d'Embolo. Fichez le camp à Embolo, fichez le camp à la famille d'Embolo. Allez suivre votre haine, votre aigreur et jalousie ailleurs. À la suite de vos échecs, c'est pas quelqu'un qui vous a demandé de ne pas aller à l'école, de ne pas être éduqué, de ne pas avoir un métier, de ne rien faire, d'être un échec familial. Non, ce n'est pas un Mbolo, ce n'est pas la mère de Mbolo, ce n'est pas la grand-mère de Mbolo. Dès que vous voyez quelqu'un qui sort la tête de l'eau, vous en prenez au bouc émissaire. Des gens qui ne doivent rien au Cameroun, des gens qui n'ont rien fait. Oh Zoro, tu as pris la nationalité française, tiens. Quand on m'a enlevé du travail là-bas, vous n'êtes pas venu me défendre. Quand ma femme et mes deux enfants souffraient au Cameroun, on m'a enlevé de la police, vous n'êtes pas allé plaider ma cause. Je devais arriver en France, j'ai la possibilité d'être fonctionnaire pour nourrir ma famille. J'ai dit non, je renonce à la nationalité française parce que j'ai peur que les Camerounais ne me jugent. Pourquoi vous ne jugez pas ceux qui ont la double nationalité là-bas? Ils sont pleins. Vous les avez vus même dans les lions avec des passeports étrangers. Ils sont dans votre gouvernement. Ils ont des nationalités étrangères. Vous avez peur d'eux. Vous ne parlez pas. Ils pillent le pays. Ils détournent. Ils mettent leurs enfants à l'ENAM. Ils vous envoient en prison. Ce n'est que l'injustice. Ils pillent. Vous ne bronchez pas. Vous ne parlez pas. Mais regarde-moi des poltrons et des faibles. Regarde-moi des dégénérés mentaux. Regarde des dégénérés mentaux. Vous n'avez pas honte de ce genre d'agissement et de comportement en plein 21e siècle? Le football est un loisir, c'est un sport, c'est le fair play, ça devient la guerre, le hooliganisme, avec une bande de tarés, avec une bande de crétins, sans éducation, sans instruction. Je me demande comment cette scène a pu être possible, que des raclures se retrouvent devant le domicile de la famille Mbolo, sans que la police ne vienne me bastonner ces chibagnards-là. Vous leur avez donné quoi? Pourquoi vous les sortez par la misère? Vous n'avez pas honte? Dans un pays, les femmes meurent pour donner la vie. Dans des hôpitaux où je vis ici en France, la maternité est gratuite. La maternité est gratuite. Voilà des causes pour lesquelles vous pouvez vous mobiliser. Vous ne vous mobilisez pas. Vous allez exprimer votre haine, votre aigreur sur Mbolo et sa famille. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et vous pensez qu'on va laisser le Cameroun à la merci des braqueurs, des voleurs, des raterateurs qui n'ont aucune éducation, aucune instruction. Non. On doit vous arrêter, vous bastonner correctement dans les commissariats. Vous avez la chance que moi je ne suis plus aux affaires dans ce pays. Des scènes comme ça, je venais là, je vous bastonnais correctement. C'est quoi ce racisme-là? Jusqu'à quand vous allez continuer à déshonorer le Cameroun, à tenir le nom du Cameroun dans la boue? Qui vous a mandaté même pour parler du Cameroun? Vous êtes qui même? Minebeza? Vous êtes qui pour parler du Cameroun que quelqu'un n'est plus libre de faire ce qu'il veut? Mais vous ne savez même pas que la diaspora, c'est elle qui construit. Oui, c'est la diaspora qui construit. Ceux qui soutiennent donc ce que je dis, vous pouvez encourager, je ne suis pas mendiant, il y a un petit geste que vous pouvez faire, vous actionnez la touche étoile, c'est tout. Pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés, parce que moi je ne vis pas de ça. Je sors là du travail, j'ai travaillé pour gagner ma vie, j'aurai mon virement, mon salaire dans quelques jours là, ou plus tard le 30. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas cette mendicité, cette courtisanerie, cette flagornerie auprès des gens qui ont un peu pour vous donner des miettes et vous vous dites des patriotes, vous aimez le Cameroun, vous menacez des gens, vous lancez des vendettas, des fatwas, alors que vous êtes des bandits, des braqueurs. Oui, il vous reste seulement des prises d'otages et de réclamer des rançons. Allez kidnapper la famille des Mbolo parce que vous êtes des braqueurs, des kidnappeurs. Pour obtenir une rançon, laissez-moi l'histoire du patriotisme là, non? Comment des bandits, des braqueurs peuvent être des patriotes? Depuis quand un bandit et un braqueur est un patriote? Depuis quand des violeurs, des escrocs, des voyous sont des patriotes? Non, vos plans sont en prison, à Nubel à Kundengi. Non, vous n'êtes pas des patriotes. Ça s'appelle la bêtise, le hooliganisme, le fanatisme, la folie, et vous devez être combattu avec vigueur et énergie. Et moi, je ne vous laisserai pas ternir l'image du Cameroun. Non, il faut arrêter ça tout de suite. Merci mon frère OS Marius pour les étoiles. Il faut arrêter ça tout de suite. Mais nous tous nous aimons le foot, nous tous nous aimons les Lions Indomptables, nous supportons notre équipe. Mais de là aller menacer des gens, vous savez même pas que la FIFA peut nous sanctionner et nous suspendre? Des petits braqueurs à l'avenue Kennedy, des voleurs, des pickpockets, ils se rendent au domicile des gens par aigreur, par jalousie. C'est Mbolo qui vous a demandé d'être le vendeur à la sauvette. Vous ne pouvez pas aussi bosser à aller jouer au foot. Vous avez aussi deux pieds comme lui, non? Voilà George Weah, président du Liberia, son fils, il joue pour les États-Unis, alors que son papa est président du Liberia. Regarde-moi des gens,
Quand Kylian Mbappé était là, s'il affronte le Cameroun, Cameroun franc, Kylian Mbappé doit dire non, je ne fais pas mon travail. Regarde-moi des crétins comme ça là. Yann Mezizibo, Yann Darlebo. Vous êtes qui même? Qui vous a demandé de parler au nom du Cameroun? Vous êtes là, vous insultez tout le monde. Vous manquez de respect à tout le monde. Vous donnez une mauvaise image du Cameroun dans le monde. Au nom du football. Les vraies causes, vous ne les revendiquez pas. Si vous êtes des gens, les gars, allez dans le nozo. Laissez la grand-mère d'Embolo. Voilà les ambazoniens. Nos petits terrorisent les gens là-bas. Nos petits terrorisent les gens dans le nozo. Allez démontrer votre patriotisme amour du Cameroun dans le nozo. Vous voyez, en Ukraine, des sportifs, des citoyens lambda ont pris les armes, ils sont au front. Vous pouvez proposer vos services à l'armée. Il y a ce qu'on appelle la défense civile. Il y a la réserve. Vous allez au nozo. Au lieu d'aller menacer la maman d'Embolo. Embolo est libre de faire ce qu'il veut. Embolo serait même au Cameroun, serait dans la misère là-bas. Hein? Vous avez fait quoi pour lui, pour sa mère? C'est un vieux Moukala qui est venu les sortir de la misère. Il doit renoncer. Pourquoi Embolo doit renoncer? Pourquoi? Merci pour les étoiles. Pourquoi il doit renoncer? Quand sa mère misérait là-bas, pourquoi vous n'êtes pas venu la sortir de la misère? Il y a plein d'autres qui jouent là-bas. Qui jouent? Vous avez fait quoi? J'ai une de mes sœurs ici, son fils joue à Dijon. Il est en Italie. Personne ne parle de lui. Le jour où il va sortir la tête de l'eau, sa mère fait le ménage. On va commencer à dire, oh, 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 sa mère souffre. Et si la France vient donc et prend ce petit, on lui dit, viens jouer pour la France. Le petit est boulou. C'est là où vous allez dire, oh, ce petit est méchant. Il a joué pour la France. Voilà sa mère qui fait le ménage en France. Elle s'occupe de son fils seul. Elle misère. Elle travaille nuit et jour. Pourquoi vous n'allez pas l'aider? Les autres sont là, ils volent, ils pillent. Et ce sont nos enfants qui doivent se sacrifier. Que s'il a là où il a son gagne-pain, il doit renoncer et dire, non, je renonce à mon gagne-pain parce qu'il y a une horde de hooligans et de fanatiques. Une horde de hooligans et de fanatiques. Des timbrés, des givrés de la cervelle, comme même dit mon frère Anango. Oui, une horde de hooligans et de fanatiques qui ont décidé de lancer des fatwas contre tout le monde sous le couvert et le masque du patriotisme. Dites aux gens que vous êtes des bandits, des agresseurs, des aigris, des jaloux, des violeurs. Et vous utilisez la passerelle du foot et du patriotisme pour terroriser les Camerounais. Et j'ai dit, les autorités du Cameroun doivent être fermes vis-à-vis de vous. Et Mbolo n'est peur de rien, mon neveu. On va dénoncer ces gens. Tu as même l'argent. Tu prends la vidéo, là, les gens qui ont fait ça, tu dois. Il y a des gens au Cameroun, ils vont les bastonner. Petit, au Cameroun, l'argent règle tout, Mbolo. Les gens qui sont allés menacer ta grand-mère, là. Petit, tu as beaucoup d'argent. Tu parles, là, il y a des mauvais. Tout le monde sait ce qu'on appelle les mauvais au Cameroun. On prend la vidéo, les mauvais vont les retrouver. Et ils vont aller les bastonner dans leur quartier et maison. Et là, ils vont voir que la vie n'est pas un jeu. Ils vont voir que la vie n'est pas un jeu. Vous êtes qui pour menacer les Camerounais et autres? Voilà la double nationalité. Pourquoi vous ne manifestez pas? Pourquoi vous reconnaissez la double nationalité? Oui, plusieurs pays ont reconnu la double nationalité. C'est un facteur de progrès et de développement. Dès qu'on veut parler des binationaux, ceux qui n'ont jamais pu avoir une autre nationalité, qui n'ont jamais voyagé, deviennent aînés et disent non, 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 on ne donne pas. Oui, ils disent on ne donne pas. Ils expriment leur haine. Dès qu'ils voient que quelqu'un s'est battu et venu en Occident, ils deviennent haineux. Ce sont eux qui détournent l'argent au Cameroun. Ce sont eux qui font qu'il n'y ait pas la lumière, l'eau, la sécurité sociale, que les femmes accouchent parce qu'elles veulent donner la vie, que nos jeunes filles, nos mamans aillent se faire avorter dans les quartiers et meurent. Dans des pays où on devrait rendre l'IVG même gratuit et tout. Regarde-moi des gens. Regardez des gens. On vend les places à l'ENAM à 15 millions. À l'ENAM, la place 15 millions, cycle A, magistrature. Cycle B, 10 millions. Les portions sont là, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Les fonds Covid engloutis. Voilà l'audit de la chambre, comment on appelle ça, de la chambre des comptes, qui est accablant, avec des noms, des milliards de tournées. Vous ne parlez pas. La CAN, regarde, on m'a dit que le stade d'Olembe est devenu le refuge des bandits. Oui, après la Coupe d'Afrique, c'est fini. Plus personne ne parle de la Coupe d'Afrique. La CAN sucrée, c'est monté. Des gens euphoriques. La CAN sucrée est finie. Le stade d'Olembe, on m'a dit que c'est désormais là-bas que les braqueurs habitent et résident. C'est là-bas qu'ils amènent leur proie pour bastonner, les dépouiller, au stade d'Olembe. Oui, vous ne parlez pas des vrais problèmes du Cameroun. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Vous êtes là. Mais les NAM. 15 millions, magistrature, 10 millions le cycle A. 15 millions la magistrature, 10 millions le cycle A. 15 millions la magistrature, 15 millions le cycle A, 10 millions le cycle B. Personne ne parle. Moi, j'ai fait un concours ici en France pour intégrer la fonction publique du ministère de la Justice. Je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé. On met les noms dans l'ordinateur, on tourne vous. C'est pour ça que je salue d'ailleurs le patriarche, le délégué à la sûreté, Mardangele, qui a organisé un très bon concours. On a pris les méritants et les meilleurs. Monsieur le délégué général à la sûreté nationale, mes félicitations. Je félicite même le ministre, n'est-ce pas, des Forces armées. Ce qu'on appelle le ministre délégué en charge des armées. Il y a eu également un recrutement correct. On a mis de côté tous ces faussaires, tous ces bandits avec des faux diplômes. On aime le Cameroun avec des faux diplômes. On aime le Cameroun avec des faux âges. On aime le Cameroun avec la fraude. On vend des boissons frelatées, on fabrique le poison et tout. C'est ça que vous appelez l'amour du Cameroun, la contrefaçon. Vous ne payez pas vos impôts, rien. Vous fraudez partout, vous volez partout. Vous violez les femmes. Et vous vous érigez en patriote. Mais mon œil. Mais mon œil, de quoi vous parlez là? Arrêtez-moi ces bêtises tout de suite là. Tous les quartiers d'un tabac, d'un Kouloulouna et de l'avenue Kennedy là. Et du marché Samsa. Retournez vite, vite, vite. Allez faire votre pickpocket. Ne parlez plus d'Embolo. Embolo ne vous doit rien. Allez vous battre. Si vous êtes incapable de vous battre, vous rentrez dans vos villages. Vous allez cultiver la terre. Arrêtez ça vite. Quand Embolo se battait pour aller jouer au foot, vous étiez là en train de faire le pickpocket, de voler. De voler.
Aujourd'hui, vous devenez des haineux. Vous aimez le Cameroun plus que qui? Embarrant est un brave ambassadeur du Cameroun. On parle de lui dans le monde. Il a marqué un but. D'ailleurs, ce but, c'est pour le Cameroun. Ça honore le Cameroun. Quand Zidane joue pour la France, les Algériens sont contents. Voilà d'autres qui ont la double nationalité plein dans le gouvernement là. Pourquoi vous n'allez pas parler? Je vous dis arrêtez ça tout de suite. Et nous allons être vigilants. Nous allons dénoncer. Et les autorités du Cameroun doivent être fermes vis-à-vis de ces mécréants et de ces bandits recyclés en grands patriotes. C'est inacceptable. Vous pouvez signaler ces directs. Moi, j'ai déjà fait passer le message. Je m'en fous. Le message est déjà passé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et moi, je n'ai pas peur de dire la vérité à quelqu'un parce que je ne mange chez personne. C'est pas quelqu'un qui me doit la vie. Pour gagner ma vie, je vais bosser. Ah oui. Allez aussi bosser. On est un patriote en portant haut l'image de son pays, en travaillant, en s'illustrant par un comportement honorable. On n'est pas un patriote en étant un braqueur, un voyou. On n'est pas patriote en étant un violeur, un escroc, un bandit. On n'est pas patriote dans le football seulement. Il n'y a pas que le football. Oui, il n'y a pas que le football. Il y a autre chose. Allez dans le nozo. Constituez-vous en société civile pour dénoncer. Voilà des scandales. Des pots de vin dénoncés dans des gros scandales de milliards. Vous ne parlez pas. Vous rasez les murs. Vous cherchez des poids faciles. Vous cherchez des poids faciles. La grand-mère de Mbolo. Mbolo, il y a des mauvais au Cameroun. Petit neveu, tu as des milliards. Tu prends seulement 10 millions. Tous les gars qui étaient chez ta grand-mère, là, il y a des mauvais. Les Batikara, Lengera, je les connais. On leur donne ça dans les parties, ils vont les retrouver, ils vont les bastonner correctement. Ils vont les bastonner correctement. Prends la vidéo là, mon petit Mbolo, prends ça. Tu prends même 10 millions, tu partages à des mauvais. Ils vont retrouver tous ces badauds là, ils vont leur donner une correction. Ils vont leur donner une correction. Ils feront qu'on parle encore de toi, ils mettront pas leur bouche là. Et Mbolo, tu es libre de jouer pour qui tu veux. Alors tous les Camerounais qui me suivent, les petits Camerounais papiers dans le monde, vous êtes libre de chercher vos vies où vous voulez. Parce que personne ne vous a rien donné au Cameroun. Voilà. Celui qui aime le Cameroun, s'il décide de jouer pour le Cameroun, il joue, on va encourager. Celui qui trouve qu'il ne veut pas jouer, il va gagner sa vie ailleurs. Il le fait, il est libre. Personne ne doit vous intimider. Nous sommes là pour lancer l'alerte et pour dire stop à ces caverneux, à ces obscurantistes, à ces crétins et à ces quartiers-arts qui se sont érigés en grands patriotes de la dernière heure. En réalité, ce sont des braqueurs, des bandits, des voleurs, des violeurs. Ils n'ont pas leur place dans la République et dans la patrie. Leur place est à Koundengui, à Niobel, à Choliré, dans la prison de ça. Ce sont tout simplement des braqueurs qui sont animés par l'aigreur, la jalousie et la haine. Le progrès des autres les énerve. Vous allez voir des farfelus. Quelqu'un va y prendre la nationalité que moi je ne pouvais pas. Je n'accepte pas. Tu es sûr que quand on te donnait une autre nationalité, tu vas refuser. Tu as d'abord la possibilité d'avoir une autre nationalité. Oui, tu n'as pas. Tu n'as pas parce que si on te propose, tu ne vas pas refuser. Arrêtez-moi le bruit. Arrêtez-moi cette haine, cette aigreur. Fichez la paix aux Camerounais, laissez-nous tranquilles. Les gens sont libres de gagner leur vie, de se battre. Parce que ce n'est pas vous qui nourrissez leur famille. Ce n'est pas vous qui payez leurs factures. Voilà des millions d'enfants qui misaient là-bas au Cameroun, qui jouent au foot. Pourquoi vous n'allez pas les sauver? Où êtes-vous? Où êtes-vous pour aller les sauver? Et Mbolo doit renoncer à son gagne-pain pour des voyous et des crétins. Parce que c'est vous qui nourrissez sa famille. Minya Tondai Boré. Vous êtes incapables de vous prendre en charge vous-même. Voilà les gros voleurs de la République qui sont avec vous. Vos fonds Covid, les fonds de la CAN, les grandes écoles, ils achètent. Ils mettent leurs enfants, ils vous mettent en prison. Il n'y a ni eau potable, ni électricité, ni rien. Vous ne parlez pas. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous êtes là. Des petits courtisans. Des petits flatteurs, des flagorneurs. Dès que vous entendez que quelqu'un demande quelque part, boum, vous sautez là-bas. Vous prenez pour qui? Je salue tous ceux qui me font confiance, qui sont connectés là. Alors, nous continuons à soutenir les lions indomptables comme je l'ai. À cause de la méchanceté, la jalousie et la haine, certains Africains ont pris la décision d'empoisonner tous les pays. Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant, nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste n'a pas mourir. Les Bengis ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonneurs, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, Dieu va te payer. Demandez-nous des lièges, le parrain des parrains. Toi qui fais le mal, Dieu va te payer par le mal.
Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les Bengis. Ça suffit comme ça, ça suffit comme ça. N'assassinez plus les Bengis, n'empoisonnez plus les Bengis. Ça c'est du replica Mano Sabi. Papa Marie Dieudonné, Zimbé Sandeu, la société du Congo. Est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Fofo et Kekemen. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu t'es pas de coups de Bruxelles, mon superviseur. Tu auras le mal. Taï taï. Ça c'est du replicant Mano Sabi. Ça c'est du replicant Mano Sabi. Tout le monde est à droite. Tout le monde est à gauche. Tout le monde est à droite. Le café restaurant kilomètre ça à Bruxelles. Charlie le bateau flamand. Tout le monde est à gauche. Tu fais du bien. Tu auras le bien. C'est toi tu Eric. Tu fais le mal. Je n'ai pas ses frères. Tu auras le mal. Tu fais du bien. Le big manager. Non à l'empoisonnement des Bengis.